Tenez compte des priorités. Dans la voie, le problème de route, le problème du système éducatif, l'enseignement pose de réels problèmes. L'environnement est agressif. Kenéko, tout est prioritaire à Kenéko. Mais dans l'immédiat, comme j'ai eu à décliner dans nos perspectives à court et à moyen terme, c'est d'abord la mise en place de différentes coordinations. Aussi bien que le gouvernement dit avec ses rêves. Ça, c'est notre point. Après, c'est de faire face à Kenéko. Surtout s'attaquer vraiment au mal qui se situe jusqu'au niveau de la racine. Je vous avoue que pendant les vacances passées, j'ai eu à sillonner, j'ai organisé une mission. Nous avons sillonné tous les grands districts, les 6 districts de Kenéko. Ce qu'on a vu dans le domaine éducatif, la situation était vraiment déplorable. Les résultats sont mauvais. Donc, l'infrastructure pose d'énormes problèmes. Mais là, concrètement, comment comptez-vous remédier à ces problèmes? Sur le plan français, sur le plan technique? C'est parce que je compte sur cette communauté. Je compte sur la communauté. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je sais réellement que ma communauté est très motivée. C'était un problème de leadership et de management. Je reste persuadé. Aujourd'hui, nous serons à Pédouille de surmonter ces difficultés. Ma dernière question est, Kenéko est voisine à beaucoup de sous-préfets. La main dans la main. Je vous avoue que nos produits agricoles sont drainés à Douné. Donc nous travaillons ensemble. Il est évident que nous travaillons. C'est-à-dire, ce système est dévolu. Dire qu'on travaillera à Biclo, hein, ça c'est terminé ça. C'est l'interdépendance qui doit prévaloir. Donc j'espère que tout ira pour le mieux.